Pour tester la nouvelle caméra FX3 de chez Sony, on est parti avec Edouard en Bretagne, à la rencontre d'une famille d'ostréiculteurs pour découvrir le métier. Pour ce projet, le Cercle Photo Vidéo, magasin spécialisé dans la vente de matériel audiovisuel, nous a accompagnés et aidés tout au long de cette histoire. Alors Thibaut, qu'est-ce que tu nous fais là? Eh bien écoute, aujourd'hui là on est en train de préparer les petits plans. On est avec la nouvelle FX3 qui est de Sony, qui est vraiment très cool, qu'on nous a prêté pour le week-end pour venir tourner chez Amélie et son frère Titi. On va faire un petit reportage chez eux, on va apprendre un peu plus sur leur métier d'ostréiculture. Plutôt assez cool, c'est que c'est une famille qui fait 4 générations qui travaillent dans ce métier, donc c'est assez intéressant. Aujourd'hui on a la FX3. Alors, qu'est-ce que tu as mis comme matos dessus? Pour l'instant, là j'ai un 16-35. J'ai pris un petit moniteur de chez Blackmagic, un 16-35. Elle est plutôt assez cool la FX3 parce que là on a fait des plans déjà hier soir et t'as plein d'accroches, t'as plein de cages. J'ai plein d'accroches pour pouvoir mettre un peu tout ton matos dessus, donc hyper pratique. Moi j'aime bien ces trucs un petit peu lourds, pas trop lourds, mais un petit peu qui a un peu de poids. C'est plus sympa pour faire tes plans. Première impression hier soir pour le coucher de soleil, plutôt sympa. Qu'est-ce que tu vas aller chercher là? Là aujourd'hui, là pour l'instant on va aller chercher, vu que c'est le matin, pour l'instant avant de faire les interviews, avant de tout faire, on va d'abord les filmer un peu en action, en train de faire leur boulot. C'est pour ça qu'on a mis un micro canon, et même pas de micro HF. Demain sera plus les plans beauty où on ira chercher des détails, des points de détail et autres. Les mettre aussi eux à l'aise en situation et après on va pouvoir faire une interview. Ce midi on va faire un peu de bateau, pareil des plans qu'on fera aussi demain, les plans beauty et voilà, donc voilà, là on a une bonne matinée chargée déjà, ça c'est plutôt cool. La stabilité interne en 5 axes de la FX3 est l'un de ses atouts majeurs. On a pu filmer dans pas mal de situations difficiles sans trop craindre de mouvements dans l'image. Et là avec la stabilisation du boîtier et autres, la caméra, mine de rien, quand tu travailles avec elle, tu n'as pas beaucoup de secousses. Et tu vois, j'ai l'impression que je n'ai pas besoin d'avoir de ronin, j'aime bien le côté un peu effet main portée. Enfin, le boîtier est vachement bien stabilisé, enfin, c'est quand même assez pratique. Donc tu peux avoir toujours le petit effet mouvement de main, mais sans avoir des trop gros écarts, trop d'avoir d'à-coups, donc c'est plutôt cool. Pour le tournage, on a eu envie de donner un look plutôt ciné à notre image. On s'est donc appuyé sur deux atouts de la FX3. Son capteur 35mm plein format et son profil d'image S-Log3 qui nous laisse une vraie flexibilité dans la colorimétrie en étalonnage. Bah écoute, ouais, je crois qu'on est là pour l'instant, on a quand même pas mal d'images. Je pense que demain on va pouvoir faire un peu du drone et faire. Voilà, s'éclater d'une autre façon. Mais là, avec le boîtier, j'ai appris à le prendre en main un petit peu au fur et à mesure des prises de vue. C'est de plus en plus sympa et de plus en plus agréable à prendre. Voilà, il y avait des petites choses sur lesquelles je n'étais pas forcément encore habitué. Comme quoi? Sur l'écran rotatif, tout simplement, hein, c'est assez bête. Mais voilà, pour enlever à chaque fois la prise son, pour bien le faire tourner. Voilà, pour pouvoir faire des plans un petit peu d'en dessous, vraiment avec des petits suivis en SQ. Et sinon, voilà, c'est la stabilité, la prise en main, s'habituer à son poids tout simplement. Et l'ergonomie, la prise en main, t'en penses quoi? L'ergonomie, elle est vraiment cool. Hein. Encore une fois, ouais, il est solide, c'est agréable. C'est une belle surprise, ça donne envie d'avoir plus longtemps. Bon, ça allez, là on est dans le hangar, dans le chantier. Là on est sur le set pour l'interview. Donc Amélie et toi, on va pouvoir les interviewer. Et pour ça, on a fait toute une installation. Donc on a pris pour la large cette caméra-là qui est... un A7III avec un objectif 24 mm ouverture 1.4. Donc vraiment un super bokeh, tout Sony, c'est parfait. On est vraiment resté sur du Sony pour le coup. Pour le caméra serrée qui va panoter
sur tes toits Amélie, et ben ça sera la FX3 avec un petit objectif 85 mm à 8, comme ça on a un beau flou derrière, c'est assez agréable et on est plutôt assez content. Et ce qu'on, là on a été content, c'est qu'on a pu brancher un HF directement sur la caméra, donc beaucoup plus simple, pas besoin d'enregistreur externe, donc c'était plutôt une bonne chose. Pour les lights un petit peu de côté, on a mis côté lumière extérieure, on a mis un Godox SL60W et de l'autre on a mis la même. Derrière on a mis un petit panneau LED pour faire une découpe et pour faire les éclairs derrière. Et de côté on a une troisième caméra, on a un A7R 3, on a bien changé de différentes caméras quand même. Et avec un petit micro canon, histoire d'avoir un son témoin et un son de backup si on avait eu des problèmes avec le micro HF. Et là, avec un 24-105, de chez Sony aussi encore, pour faire le plan de côté. Et on a mis des petits bâtons LED sur chaque côté qui nous permettent vraiment d'éclairer un petit peu le fond, qui permettent d'éclairer quelques petits points dans l'interview de décor, qui nous permettent de faire sortir un petit peu le décor et d'agrémenter un peu l'interview, de la rendre un peu plus sympa et un peu plus punchy au niveau de la lumière et au niveau des détails. Donc voilà, et donc là, on va pouvoir aller commencer à faire l'interview. On a pu tester la réactivité de l'autofocus et on a été plutôt impressionné par sa réactivité et sa précision. Que ce soit pour l'interview ou pour des images en mouvement, l'autofocus a toujours été fidèle et réactif à l'image recherchée. C'est une vraie aide sur des tournages où on n'a pas beaucoup de temps et on doit changer de décor rapidement. En conclusion, on a bien aimé la FX3, on a beaucoup aimé son côté compact, facile à transporter et les specs qu'elle propose sont plutôt assez impressionnants. Le tournage en 10 bits permet une belle flexibilité en étalonnage et la stabilisation et le tracking sont de vrais atouts pour des tournages pro en mode nomade. On recommande la caméra et si vous souhaitez la tester, rendez-vous au magasin Cirque Photo Vidéo à Paris.